Yo tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, récupérez vite votre pioche gratuite du souvenir dès maintenant sur Fnite. Donc là, à l'heure actuelle, il est 1h du matin et vous pouvez d'ores et déjà récupérer votre pioche gratuite. Donc je vais vous expliquer comment faire sur PC, Xbox, Switch dans la première partie. Et pour la seconde partie, je vais vous expliquer tout simplement comment le récupérer sur PS4. Donc, il n'y a que sur PS4 où la méthode change. Mais en tout cas, sur PC, rendez-vous directement sur votre jeu. Donc là, vous pouvez le voir, vous n'avez rien à l'écran. Vous allez directement dans la boutique d'objets. D'ailleurs, on peut voir quelque chose d'assez sympa, c'est qu'ils nous ont remis les petits skins Bambi. Voilà, tout simplement. Donc, je vous montre ça très rapidement. Et dès que vous allez tout simplement à gauche dans les packs, vous voyez juste ici pioche du souvenir à 0€. Donc comme je vous ai dit, si vous êtes sur PC, Xbox et Switch, vous allez dans la boutique juste ici, vous cliquez sur la pioche et vous faites acheter. Donc là, ça vous met 0€. Donc là, on peut voir pioche du souvenir, revivez les débuts de Fortnite Battle Royale avec la pioche par défaut du chapitre 1. Donc là, c'est ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo. Fortnite nous offre la première pioche qui n'était plus disponible. Donc là, on peut le voir franchement quand on fait inspecter l'élément. Voilà, c'est vraiment la première pioche du jeu, elle est très très stylée. Vous faites tout simplement acheter pour l'obtenir. Normalement, dès que vous allez le faire, voilà, ça va vous charger la petite page et ensuite on va obtenir tout simplement la pioche directement en jeu. Donc là, vous pouvez le voir, regardez, j'ai rien payé, il y a juste eu un chargement et on a ensuite objet reçu. Merci de jouer à Fortnite, outil de collecte atypique, hache du souvenir, elle est toujours bonne, fait partie de l'ensemble origine. Donc là, vous vous en équipez et tout simplement on l'a dans le casier. Donc vraiment, on peut voir, c'est vraiment une putain de bonne pioche. Je vous le rappelle qu'il l'avait retiré pour nous mettre la pioche de base. Ensuite, pour la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment vous pourrez récupérer votre pioche du souvenir gratuitement si vous êtes sur PS4. Donc c'est très simple, vous avez le PS Store directement disponible sur la console. Pour vous montrer, je suis directement sur le site du PS Store, donc ça marche aussi. Par contre, il faudra que vous vous connectiez depuis une PS4 pour activer la pioche. Donc vous allez tout simplement aller dans les recherches, taper Fortnite. Donc pour ma part, c'est déjà fait. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui est en rapport avec Fortnite. Donc vous allez avoir le jeu Fortnite et vous allez avoir Fortnite pioche du souvenir disponible sur PS4 et PS5. Je vous rappelle également le petit message d'Epic Games qui nous disait que cette pioche par défaut culte du chapitre 1 sera disponible pour tout le monde à partir d'aujourd'hui, donc on est le 5 novembre à 1h du matin, jusqu'au 15 janvier dans le jeu ou sur le PS Store tout simplement. Donc dépêchez-vous vite de récupérer cette pioche gratuite pour Fortnite, puisque du 5 novembre au 15 janvier vous pouvez la récupérer, mais une fois qu'on sera le 16 janvier, vous ne pourrez plus tout simplement l'obtenir. Donc vraiment dépêchez-vous de la récupérer, sachant que c'est une petite pioche gratuite offerte par Fortnite. Ensuite, pour reprendre au niveau du PS Store, une fois que vous avez rentré dans les recherches Fortnite, que vous avez trouvé tout simplement Fortnite pioche du souvenir, vous allez cliquer dessus et vous allez voir qu'il y a marqué tout simplement précommander la pioche. Vous allez cliquer sur précommander, ça va rien vous coûter. Une fois que vous avez le message de confirmation, vous retournez sur le jeu Fortnite. Voilà, vous fermez votre jeu Fortnite, vous l'ouvrez et une fois que vous allez l'ouvrir, vous allez tout simplement avoir la pioche qui s'affichera à l'écran, comme quoi vous l'avez obtenue comme pour toutes les plateformes. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé et apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. N'hésitez pas également à nous soutenir dans la boutique si vous le souhaitez avec le code créateur Bokuni. Sur ce, je vous laisse avec le petit fond gameplay de la pioche. A plus et à la prochaine.